te souviens de la fois où tu as dit que tu pouvais me donner une chevelure d'enfer? Oui, bien sûr. Ah, tu veux un relooking là tout de suite? Mais non, Mimi, je ne pensais pas à moi, mais à Sora. Tu ne crois pas qu'elle en aurait besoin? Comment ça? Eh bien, elle porte toujours un casque, alors ses cheveux doivent être tout raplapla. C'est vrai, tu as raison. Elle ne le quitte pratiquement jamais. On croirait même que ça fait partie intégrante de sa tête. D'ailleurs, est-ce que ça en est vraiment un de casque? Quelquefois, ça ressemble quand même à un bonnet. Peut-être que c'est un bonnet aux multiples pouvoirs? Mimi, toi aussi tu portes toujours un chapeau, mais tes cheveux ne sont pas plats pour autant. C'est donc bien grâce à tes projets miraculeux. Mais oui, si j'en parle aussi souvent, ce n'est pas pour rien, tu vois. C'est vrai. Et à ton avis, pourquoi Sora a les cheveux courts? Toi, tu les as toujours eus très longs? Eh bien, Sora est une fille très décontractée et elle adore jouer au foot. Donc pour elle, c'est beaucoup plus pratique de les avoir courts, tu sais. Je peux comprendre que cela ne soit pas trop confortable. Ah, c'est pour ça que son style de vêtements ressemble beaucoup au style de Tahiti. Elle a des grosses baskets comme lui. Ça doit être sûrement plus pratique pour taper dans le ballon. Hein, Mimi, c'est ça? Mais oui, tu as tout compris, ma petite palmone. T'imagines si Sora avait des chaussures comme les miennes sur le terrain de foot? Elle aurait déjà perdu la moitié de ses orteils depuis longtemps, crois-moi. Mimi, c'est quoi des orteils? Mais tu vois, palmone, les racines qui t'aident à t'équilibrer et te maintenir debout? Eh bien, pour nous les humains, c'est le même système. Sauf que nous, on a juste 10 petits morceaux devant qu'on appelle orteils. Attends, je vais te montrer. Oh, mais ce sont des toutes petites racines. Ça doit être très fragile. Je comprends pourquoi vous devez porter des chaussures. Oh bah oui, et t'imagines pas la douleur que c'est quand on se les cogne contre un meuble. Ah, ça fait si mal que ça? Mais du coup, vous en perdez un et un autre repousse? Mais non, palmone. Un orteil, ça ne repousse pas. On doit juste faire attention à ne pas se faire mal. En tout cas, si jamais on se blesse, on peut se soigner. Oh, d'ailleurs, Sora a toujours une petite trousse de secours sur elle. C'est vrai que Sora est toujours au petit soin. C'est comme une maman envers ses enfants et comme Pioman qui se soucie de nous tous. Elles se sont vraiment bien trouvées. Ouais, c'est vrai ça. Dis, Mimi, comment on fait pour être une maman? Oh, quelle question toute mignonne! Eh bien, au début, tu es une jeune fille, comme moi. Ensuite, tu rencontres le prince charmant. Ensuite, il te demande ta main. Ta main? Mais pourquoi faire? Eh bien oui, ça signifie qu'il te demande en mariage parce qu'il est amoureux et qu'il veut passer toute sa vie avec toi. Donc tu te maries, tu portes la plus belle robe de ta vie et ensuite tu as des enfants et tu deviens une maman. Du coup, si j'ai bien compris, moi pour l'instant je suis une petite fille comme toi, c'est ça? Oui, c'est ça. D'ailleurs, en parlant de robe de mariée, je verrai bien Sora dans une belle robe de princesse. On ne l'a jamais encore vue en portée. Oui, tu as raison. Tiens, tu me fais penser à quelque chose. J'ai une robe trop jolie dans ma garde-robe qui pourrait trop bien lui aller. Elle est jaune comme son haut et aussi rayonnante que le soleil. Tout comme Sora. Oh oui, il faut que tu lui prêtes, je veux l'avoir des dents. Oh oui, je ferai ça. En parlant de soleil, ça tape vraiment fort ici. Heureusement que j'ai mon chapeau. Palmone, si tu as trop chaud, tu me le dis, hein. Bon, c'est pas tout, mais on devrait aller aider les autres à trouver leur emblème aussi, hein. Oui, allons rejoindre les autres. Oh, il est l'heure de se quitter, les amis. C'était Palmone et Mimi Tachikawa. Dans la rubrique La Chronique Reste Chic, même dans le monde numérique. À la prochaine.